Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur ce jeu. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont conseillé, alors j'ai décidé de le faire. J'ai déjà fait l'introduction sur là et oula, pardon. Ici, parce que ça me rajoute des PA, donc si ça est un conseil. Je suis accompagnée de ma petite sœur. Bonjour. Alors donc on va commencer l'épisode. Alors, premier jour ici, une nouvelle ville, un nouveau lycée. Mais toutes les démarches ne sont pas faites. Alors, on va faire une voix de vieille, attendez. Bonjour Alita. Bienvenue dans le lycée Sweet Amory. J'espère que vous vous habituerez rapidement à notre nouvelle école. Je vous suggère d'aller voir Nathaniel, le délégué principal. Ok, j'arrête pas. Ça fait trop mal à la voix. Le délégué principal, afin de vérifier que votre dossier d'inscription est bien rempli. Il doit en ce moment être dans la salle des délégués. On va aller le voir. Oula, alors, bonjour, je cherche le délégué principal. Bonjour, c'est moi Nathaniel. Tu as besoin de quelque chose? La directrice m'a demandé de venir te voir pour mon dossier d'inscription. Oh, tu as une nouvelle. Bien sûr, je vais garder ça. Il s'est retourné et a farfouillé parmi ses papiers avant de revenir vers nous. En effet, il manque quelques petites choses pour ton dossier. Il te faut encore une photo d'identité, 5 $ de frais de dossier. Et le plus important, il semble que tu as oublié de rendre une de tes feuilles du formulaire d'inscription. Celle avec la signature de tes parents. Il faudrait que tu la ramènes également. Merci. J'ai tout préparé moi-même, tu es sûre? Dans le doute, je vais vérifier que ton formulaire ne soit pas glissé dans un autre dossier, alors occupe-toi de réunir l'argent et la photo. En tout cas, c'est agréable de voir une nouvelle élève sérieuse arriver ici. Oh la vache. Youhou, ma chérie! Je t'ai cherché partout! Tata, mais qu'est-ce que tu fais là? Et habillée comme ça? Voyons, je suis ta marraine, je me dois d'être ta bonne fée. Tiens, prends ce cadeau, ça t'aidera dans ta quête de l'amour. L'amour, c'est beau l'amour. Dans ma quête de quoi? Mais qu'est-ce que... Elle est déjà repartie. Collier de perles, on va aller voir ça. Là. Il est beau. Je sais pas. Ouais, il y avait que juste une perle dessus. Alors, par contre, vous en expliquez pourquoi elle est en pyjama. Là, elle est en cours en pyjama. Mais cette tête, elle est un peu bizarre. Bonjour, je suis nouvelle. Et alors? Toujours aussi sympa. Surtout avec les nouvelles. Moi, c'est Castiel. Moi, c'est Alita. Je repasserai plus tard. À peine arrivée, on prend la tête avec la paperasse. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon courage avec cet imbécile délégué. Ok. Hé, hey, Alita, tu vas bien? Oh la vache. Mais qu'est-ce que tu dis ici, toi? Je sais pas qui c'est. Hein. On dirait dans Yu-Gi-Oh. Ah ouais, en fait. J'ai appris qu'il déménageait, alors j'ai demandé à me transférer dans la même école que toi. J'espère que tu es contente. Vraiment? C'est gentil. Tu as complètement fini ton transfert, alors? Oh putain, ça monte hyper vite. Oh oui, il ne demande pas trop de choses, alors c'était vite fait. J'espère que les gens dans ma classe seront sympas. Il n'y a pas de raison. Tu as raison, il faut être positif. Je sais pas pourquoi je fais une voix de mongol, mais une tête de Google. Là. Mais on dirait dans Yu-Gi-Oh! Un secteur à bas. Je sais plus comment il s'appelle. Oula, elle a pas l'air gentille. Non. Eh, hey, c'est toi la nouvelle. Oui, bonjour. Eh ben, entre toi et l'autre nouveau, on n'est pas gâtés. Pas vrai les filles? Ouch, elles sont passées en bousculant. Pas très sympa. Ok. Oh non. Je préfère ne rien lui demander. Il a l'air pas très sympa. Dis au fait. Oui, Alita. Où est-ce que t'as fait ta photo d'identité? Je l'ai faite dans la boutique du Vaut Mieux Sûr en ville. C'est où? C'est là? Ah ouais. Ah bah oui. Que la cafette. Encore toi? Ton t-shirt me dit quelque chose. Ah ouais, ça te rappelle quoi? Un dessin sur les fesses de ton dernier petit poney? Toujours aussi aimable celui-là ou pas?
Un logo de groupe de rock? Oh, alors la petite nouvelle connaît le groupe Wing and School. Oui, j'aime bien le rock de temps en temps. C'est cool, je connais pas beaucoup de nanas qui en écoutent. J'en écoute pas du tout. Waouh, tu as pu déjà faire le tour du lycée? Déjà? C'est super grand. Tellement grand que j'ai encore des choses à voir. À plus. À plus alors. À plus tard, pardon. J'ai des gâteaux, tu en veux? Il est partout. Tu me fais de l'ombre. Il est très sympa celui-là, hein, vraiment. J'ai des gâteaux, tu en veux? Il vient pas déjà de le dire? Si, si, si. D'accord, ok. Bonjour, tu es la nouvelle, c'est ça? Moi je m'appelle Iris, je serai en cours avec toi. Salut, moi c'est Alita. Gentille. Ouais. Enchantée Alita, j'espère que tu te sentiras bien ici. Je te vois plus tard. Merci, à plus tard. Alors. J'ai des gâteaux, tu en veux? Oh, Alita, j'ai oublié de te dire, je suis désolée, mais finalement ton inscription ici ne pourra pas être finalisée. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu verrais ta tête. Alors, c'est une bonne blague, non? Ah, mais c'est pas une blague, ça. Tu m'as fait peur. Ah, excuse-moi, je ferai mieux la prochaine fois. Ouais. Toujours là avec ses gâteaux, lui. Imagine. Comment il s'appelle? Attends. Où est-ce que je peux voir son nom? Ah, là. Nathaniel Castiel. Ken. Ken. Ah, son vrai nom. Barbie et Ken. Ah, non, non, il s'appelle Quentin. Ok, Quentin. Et l'autre, là, il est pas gentil dehors. Il a l'air d'être pas gentil. Ça va, je l'aime bien. Alors, ce dossier, ça avance. Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier si ton formulaire d'inscription traînait dans le coin. Repasse tout à l'heure au cas où, d'accord? Décidément, t'es pas un rigolo, toi. C'est vrai que je n'ai pas la réputation de quelqu'un d'amusant. Je devrais faire un effort. Désolée, je voulais pas te vexer. Non, non, tu as raison. Je ferai un effort la prochaine fois. Eh, au fait, tu m'as pas dit si tu avais retrouvé mon dossier ou non? En effet, je suis désolée, il était bel et bien mélangé dans d'autres papiers. Je te l'ai mis de côté. Tiens, voilà. Ah, mademoiselle, vous avez pu finir votre inscription? Oui, voilà mon dossier. T'as dit que t'allais arrêter la voix de mémé. Oui, c'est vrai. Voyons, je ne vais pas récupérer des feuilles volantes comme ça. Trouvez un trombone au moins pour les attacher ensemble et revenez me voir. Ah, il y a un trombone. Du coup, j'ai trouvé le trombone. C'est votre dossier complet, mademoiselle. Bien, merci. Donnez-moi ça. Cette fois-ci, tout y est. Vous êtes officiellement élève à Suite à Maurice. Oui. C'est la fin des cours, d'ailleurs. Vous pouvez rentrer chez vous. À bientôt. Au revoir, madame. Alita, attends. Je n'ai pas eu le temps de faire le tour du lycée. Mais je peux au moins te montrer la bibliothèque, si tu veux. Ouais, pourquoi pas. Ah, il y a une tenue. Ah, trop cool. Ah, par contre, je la paye 4$. Mais c'est pas grave, t'as 164 et 1350. J'ai suivi Nathaniel dans plusieurs couloirs. Il m'a expliqué que l'accès est réservé aux étudiants qui ont besoin de recherche pour un projet en cours. Le fait qu'il soit délégué principal lui permet de venir ici à loisir. Voir l'illustration de fin. Ah, c'était pas l'illustration qu'on avait au tout début pour l'intro? Personnellement, je ne savais même pas qu'il y avait une bibliothèque ici. On dirait que c'est un endroit qu'il aime bien. Terminer l'épisode. Bien, eh ben on va s'arrêter là. On reprendra peut-être pour l'épisode 2. Quand? Je sais pas trop. Le week-end prochain. Dans plusieurs semaines. Bon, là après je peux peut-être encore faire un épisode, mais pas sur cette vidéo-là. Non. Je vous laisse.